Salut à tous, c'est ZouzouT2025 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter le nouveau véhicule qui vient juste de sortir sur GTA. Donc je vais vous montrer sur le site. Alors il est sorti sur Sauterne San Andreas. Alors la Bravado Gauntlet Elfire, ouais bon, je sais pas faire d'accent anglais. Donc la voici. Elle ressemble à plus une voiture de Fast and Furious de l'avant, mais après de l'arrière. Enfin je sais pas. On va voir. On va voir la customisation. Allez, c'est parti. Alors je suis tout seul pour tourner cette vidéo. Ninja, je remax, fin max, par choc. Je vais mettre comme ça, par choc arrière. What? Bah je vais le mettre direct. Échappement. Mettre les gros pots comme ça. Calandre. Non, en vrai, comme ça, elle est bien, comme ça. Visière phare. Ouh. Wesh. What? Ah, les customisations sont cheloues. Bon, je mets barbule. Ouais, bon, je sais pas parler. Un capot. Bon, on va mettre celui-là. Klaxon. Mettre celui d'Halloween, je sais pas comment ça se fait que je l'ai alors qu'on n'est pas du tout aujourd'hui Halloween quoi. Hop, kit néon, couleur néon, on s'en fout parce que je sais pas encore de quelle couleur je vais le mettre. Ouais, ils sont stylés les motifs. Bon, moi personnellement je vais mettre les bandes plaque. On m'en voit pas, je vais mettre la plaque. Panneau arrière. Ok. Ok. Peinture. On verra après. Arceau de sécurité. On va les mettre. Toit. Non, je les sens blanc. Bon, maintenant. Pas de caisse. Comme ça. Aileron. Bah on va mettre en vrai ça fait bof je trouve sur cette voiture l'aileron je trouve ça fait ça le fait pas comme ça je dirais. Suspension ABC, transmission, turbo. Bon, on va mettre les roues comme d'hab. A few moments later. Re tout le monde, désolé pour les hips. Alors du coup on va mettre éclairage, enfin je vais dire les la couleur, je vais mettre blanc glacier, hop. C'est le glitch pour avoir une nacrée. Alors clairement, je pense que je vais jamais mettre. Je sais pas. En bleu, je dirais. En bleu, je dis que c'est pas ça. Enfin, je sais pas. C'est pas assez voyant, je trouve. C'est bleu ultra. C'est bleu ultra, voilà. Après, bah, on va mettre l'éclairage. Donc, couleur néon, bleu. Allez, c'est parti, on va la tester. Oh là, elle a de la pêche. Merde. J'ai pas vu, c'est une grosse cylindrée. Si c'est une grosse cylindrée, logiquement, elle doit se lever. Elle se lève, mais sauf que j'ai mis la barre, du coup. Après, moi, je me lève pas tout le temps avec les véhicules. Du coup, voilà. T'as l'air d'avoir de la pêche, hein.
putain, elle a l'air d'être pas mal la voiture. Franchement, j'aime bien, personnellement. Déjà, la customisation, j'ai aimé. Déjà, je trouve qu'elle ressemble un peu à une voiture de Fast and Furious. Moi, clairement, je suis un grand fan, donc voilà. Franchement, je l'aime bien. Parce que moi, mon véhicule préféré, c'est la Schlagen, mais celle-là, en vrai, pourrait passer dans le deuxième ou la troisième. De mes préférés. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors clairement je la kiffe cette voiture. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo, puis moi je vous dis ciao ciao, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci pour les 144 abonnés. Allez bye bye.